Il y avait un juif sur la Sainte-Catherine, il parlait avec un gars, il dit, viens, c'est un beau bargain pour toi, là. Le gars, il dit, qu'est-ce que t'as à vendre? Il dit, un beau terrain. Puis il est beau, il dit, 5 000 $. Ouais, le gars, il dit, 5 000 $. Ça dépend, il dit, es-tu bien grand, es-tu beau? Oh non, il dit, t'es pas bien grand, il gagne 5 pieds carrés. Mais il dit, t'es fou, toi, 5 pieds carrés? 5 000 $? Quelle sorte de terrain que c'est ça? Le juif a été OK, là. Il est pas grand, le terrain, mon ami. Il est pas grand, mais il est cru en verre, par exemple. Il y a un feu sur Saint-Laurent. Les pompiers ont rentré là tout de suite, hein, avec la hausse des mains, puis ils ont dit, juif, ce qu'est le feu, ce qu'est le feu? Le juif, il dit, fire, not here, next door. Il says here, next week. Il y a Musirac, tu sais, la compagnie Musirac, là. Il y a un de ses vendeurs, genre, qui s'en est sur le chemin, tu comprends? Puis il y a eu du trouble avec son char, fait qu'il était sonné à la maison, je pourrais savoir l'hospitalité pour la nuit. Il dit, j'ai du trouble avec mon auto. Fait qu'il est rentré dans la maison. Fait qu'en rentrant, tu comprends, ça lui a sauté aux yeux. Il y avait un poêle qui était monté sur 3-4 bûches, tu comprends? Il y avait un escabeau en avant du poêle. Il y avait une femme qui était montée dans l'escabeau, puis elle avait une poêle dans les mains, puis était après, elle fait cuire des œufs. Chose, il dit au gars, que c'est de manger, que c'est ça. Le gars le regarde, il dit, toi, t'es un gars de Musirac, t'es un smart. Il dit, tu connais tout. Il dit, t'as pas compris la patente qu'on a faite. Il dit, non, je comprends rien dedans. Il dit, je comprends pas ça, moi, un savant comme toi, supposé tout ça. Ouais, tu comprends ça? Il dit, gardons, là. Il dit, tu vois bien qu'on a manqué une feuille de tuyau. Mais il y en arrive tellement d'affaires. La semaine passée, vous avez remarqué, il y en a un thème, hein? Il y a du monde qui boit de la DA. C'est marqué D-O-W, sa bouteille. Hein? Puis ça paraît que ça veut dire donner au waiter. Dis, nous autres, on a donné une caisse, hein? Il l'a gardé, il nous a envoyé un petit papier. C'était marqué SOS. On l'a fait déchiffrer. Ça voulait dire salut, on se saoule. Il y a un gars qui rentre dans le restaurant, il était après manger son steak, quand il est fini, la waitress a dit, comment vous avez trouvé votre steak? Il dit, en dessous, je me tranche de tomate. Il y avait deux cannibales qui parlent ensemble, il dit, qu'est-ce qu'on a pour souper à soir? Il demande ça au chef, le chef, il dit, deux femmes, l'autre dit, ah, encore du ragoût de poulet. Il y a une femme qui rentre dans une grosserie. Elle dit, comment vous vendez votre steak? Le gars, il dit, 1,5 $. Elle dit, comment ça se fait? Le gars, l'autre bord, il vend 50 $ la livre. Ben, il dit, à vous de l'acheter là, chère dame. Ouais, mais elle dit, c'est parce qu'il n'avait plus. Oh, il dit, dans ce cas-là, si je n'avais pas, moi, je le vendrais bien 50 $ la livre. Le gars, il dit, pourquoi faire avec les Italiens? Il dit, ils couchent toujours dans les lits jumeaux. Ben, il dit, c'est simple, c'est parce qu'il dit, il se parle de l'Italie. Il y a un gars, il demande, il dit, qu'est-ce que c'est le diamant parfait, là? Qu'est-ce, la définition d'un diamant? L'autre, il dit, un diamant, là, créez-le, créez-le pas, ça coupe n'importe quoi. L'autre, dit, certain, puis certain, un compte de banque. Il y a un gars qui était voir le docteur, il dit, je sais pas ce que j'ai, un spiciote, une affaire de main, puis qui autre, en tout cas, il dit, docteur, je sais pas ce que j'ai, mais il dit, je voudrais avoir un remède pour pouvoir passer ma nuit tranquille. Il dit, je rêve à Marilyn Monroe, il dit, elle rentre dans ma chambre à tous les nuits, puis il dit, tout en déshabillé, quelque chose de swell, puis il dit, elle rentre sur le bout des pieds, puis il dit, elle s'approche de mon lit, puis il dit, elle me prend par le cou, puis là, il dit, oui, il tire la jambe tranquillement, il dit, parce qu'elle pousse la porte avec son pied, puis à chaque fois qu'elle pousse la porte, ça fait blague, il dit, elle me réveille à tout coup. Et la semaine passée, un de mes chums s'est marié, faut que j'étais faire un tour chez eux, t'es ouais sa femme. Et l'aide, off, la fuite en Égypte. Ah, mes yeux croches, assez croches, je pensais que quand elle pleurait, les larmes, ils coulaient dans le dos, tu vois. Oh, était l'aide, quelque chose de vrai. Elle avait la bouche tout croche, les dents, il sortait 3-4 criques en avant qui manquaient. Oh mon Dieu, elle avait le nez un peu remonté, tu comprends, puis les oreilles quasiment dans le front. Ça attend bien, par exemple. Elle était toute démantibulée, ça n'a pas d'aller. Moi, j'appelle mon chum, c'était tellement gêné, c'est un gars qui paraît bien. Je dis, coudonc, mon Dieu, ce que c'est qui t'arrive? Comment ça se fait que t'as marqué ça? Il dit, parle plus fort, parle plus fort, gêne-toi pas, il est sourd de part de ça. Qu'en a-t-il des affaires qui arrivent souvent comme ça? La semaine passée, il est arrivé quelque chose d'épouvantable. Il y a un gars qui me contait ça, il dit, j'étais à la chasse, hein? Puis il dit, je me suis écarté dans le bois, ça faisait 3 jours. Il dit que j'étais dans le bois, puis j'avais pas mangé, j'avais faim. Tu comprends? Je sais pas ce qui m'arrive.
Fait que tout d'un coup, il dit, j'avais faim pour manger. Puis j'ai trouvé un vieux fusil en 1914. Puis j'ai ramassé le péteux, tu comprends? J'ai regardé ça, puis il dit, le coup est parti. Puis le coup, là, c'est... il dit, quand ça a parti, j'ai tué un orignal, j'ai tué un chevreuil, puis un lièvre à boire ça. Puis le coup que ça m'a donné, là, il dit, ça, j'ai tombé d'un ruisseau en arrière, tu sais. Puis hein, en bas de la veille, je mets deux mains à mes poches, j'avais les poches pleines de truites, et je me lève les deux bras au ciel, les deux bras au ciel pour remercier le Jésus, puis j'ai pogné deux canards au vol. Il y a une fille qui rentre dans le club, elle dit, pardon, monsieur, vous voulez me dire ce qui est toilette, le waiter, il était tout énervé. Il dit, vous voyez les toilettes? Il dit, vous voyez la première porte? La fille a dit oui. Ben, il dit, entrez pas là. Il dit, c'est le chacal. Ça m'a dit, mais elle dit, dites-moi non, ce qui est toilette. Il dit, vous, la deuxième porte? Elle dit, oui, je la vois. Ben, il dit, entrez pas là. Il dit, ça, c'est les toilettes des hommes. Elle dit, vous, des péchés, ce que c'est que les toilettes des femmes, voyons. Il dit, voyez la tutoie, la troisième porte. Elle dit, oui, je la vois, mais il est trop tard. Elle dit, dis-moi, est-ce qu'il y a un cleaner dans le bout? Et bien, pour dire, on dit que la plupart des gens sont comme des allumettes. Lorsqu'ils sont échauffés, ils perdent la tête. La semaine passée, il y a un sauvetage. Il y avait trois gars qui étaient en chaloupe, puis on revirait à l'envers. Puis il y a lave-garde qui était cherché en chaloupe également. Ben, l'un qui a monté, puis il l'a poigné par les cheveux, il l'a embarqué. L'autre aussi, il l'a poigné par les cheveux. Puis l'autre qui a monté, il n'avait pas de cheveux sur la tête. Le lave-garde lui a mis la main sur la tête, puis il l'a renvoyé au fond. Il dit, quand tu monteras par le bon bout, toi, il dit, on va te sortir. Il y a une fille arrive à moi, elle dit, Lucien, qu'est-ce que tu faisais dans le show business? Je parle-moi pas. Je t'ai commis voyageur. Ça, c'est un job qui est payant. Elle dit, quoi, c'est lâché? Ben, j'ai eu un accident. Elle dit, comment ça? Oui, la première semaine, j'étais arrivé avec mon bill. 25$ pour la chambre, 35$ pour le lunch, puis 50$ pour les femmes. Ah, oh, hey, ça, c'est payant. Ils payent tout là-dessus, eux autres. Il dit, le boss, il m'a dit, 50$ pour les femmes. Moi, je peux pas rentrer ça sur l'impôt. Il dit, fais-moi la graisse pour la chasse, mais pas pour les femmes. La semaine suivante, je suis arrivé avec mon autre belle, 25$ pour la chambre, 35$ pour le lunch, puis 50$ pour la chasse. Là, voici, je le sais, c'est pas pour la chasse, c'est pour les femmes, mais il dit, je peux rentrer ça sur l'impôt, moi. C'est correct, d'abord. L'autre semaine, je suis arrivé avec mon autre belle, 25$ pour la chambre, 35$ pour le lunch. Puis là, c'est là que j'ai eu mon gros accident. 250$, réparation du fusil. La semaine passée, il y a un gars, il a acheté un chien, puis il l'a emmené chez eux. La femme a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec un saint? Il dit, on va faire comme Boyer, on va lui faire fête de show business. Elle dit, c'est bien beau, mais elle dit, à quelle place qu'il va coucher? Et il dit, il va coucher avec nous autres. Elle dit, c'est fou, la senteur. Ah, oh, il dit, il fera comme moi, il s'habituera. Et Seigneur, c'est bien pour dire, hein? La semaine passée, encore, c'est bien pour dire, il y a un gars qui a été à l'asile, tu comprends, puis ils ont fait un examen au gars, parce que, vois-tu, c'était un pauvre yard, tu comprends, ça faisait 20 ans qu'il était là, fait qu'ils ont dit, on va l'examiner, ils ont passé un test, puis ils ont dit, coudonc, là, si tu réponds comme faut, on te laisse sortir, le gars, il dit, ça marche. Il dit, à une disposition, il dit, tu connais ça, un dimanche après-midi, il faut, il dit, oui. Il dit, à une disposition, il y a un petit gars qui s'en va en bicycle. Ça rue, puis il vient de mouiller, puis tu sais, il passe une traque de char, puis il glisse. Puis le tramway, il passe dessus, puis il coupe les deux pattes au petit gars. Puis il dit, le char perd une roue. Puis il dit, là, le fou, il te dit pas le fou, mais il dit, le petit gars se relève, puis il saute sur son bicycle. Il s'en va au magasin de fer, il va chez un renne, puis il pose la roue de char. Il dit, ça se peut-tu, ça? Le fou, il dit, voyons, ça se peut pas. Bon, mais ben, t'es guéri comme ça, qu'est-ce que tu que peux pas? Fou, je dis, tu sais bien que le dimanche, les magasins de fer, ils sont beaux, hein? Il y a un gars qui rentre dans un théâtre, tu comprends, il achète un ticket, il achète deux tickets, trois tickets, cinq tickets. La fille, elle dit, êtes-vous plusieurs? Il dit, c'est pas ça, il dit, un fou en dedans qui vient déchirer en entrant. Un gars, il rencontre cette semaine. Il dit, comment ça va? Il dit, ça va bien? Ça fait 20 ans que je t'ai pas vu. Coudon, il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je vends des meubles, pasteur. Tu vends des meubles? Puis il dit, ça marche-tu bien, le patent? L'as-tu déjà vendu? Ah, oh, je crée bien, j'ai vendu les miens. C'est bien pour dire, y en arrives-tu des affaires aujourd'hui, hein? Mon doux Seigneur, il y a un gars, là, il était chez la femme d'un de ses chums.
Puis il a dit à la femme, il dit, vous êtes belle, madame. Vous êtes smart. Je vous trouve assez de mon goût. Moi, je vous donnerai 50 piastres pour vous embrasser. Oh, ben, vous savez, dis-moi, je suis marié, hein, pas après tout. Je peux pas faire ça. Je m'en vais donner 75. Donc, voyez donc. Oh, ben, dis-moi, vous me tentez pas mal. Vous ne devriez pas. Hein. Je m'en vais donner 100 piastres, qu'un contron. Il dit, hein, pour vous embrasser, vous serrez un petit peu à mes bras. Oh, ben, dis-moi, 100 piastres, c'est correct. Mais dites-le pas à mon mari. Jamais, madame, je ne parlerai pas une vraie tombe. Il dit, là, il l'a embrassé. Puis là, il s'est en allé, le gars. 5 minutes après, le mari de la femme qui arrive. Il dit, hey, Joe, es-tu venu ici tout à l'heure? Elle dit, oui, il est venu ici. Quoi, l'as-tu vu? Elle dit, non, je veux savoir ça, là. Il dit, es-tu venu ici tout à l'heure? Elle dit, oui, il est venu, oui. Il dit, t'as-tu donné 100 piastres? Elle dit, oui, il m'a donné 100 piastres. Elle dit, il y a de promesse, le verra. Il m'avait prêté 100 piastres, il m'a dit qu'il viendra me le porter aujourd'hui. Je le croyais pas. Il y avait un gars qui faisait un étudiant. Il étudiait, le gars, c'était effrayant. J'ai dit, pourquoi tu étudies demain? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, pas ça, je me meuble l'esprit. Puis il dit, mec, qu'elle soit bien meublée, là, je vais aller ensuite, finalement, prêter ses mêmes meubles. La semaine passée, j'ai lu sur la presse, c'était marqué, salon mortuaire à vendre, cause de mortalité. La semaine passée, il paraîtra que deux crayons qui sont rencontrés. Deux crayons, tu sais, les crayons amènent. L'autre, il dit, c'est drôle, t'as amènes basse. Il y avait une femme qui était sur un coin de rue, tu comprends? Puis elle a ce temps-là avec son chauve, il marchera pas. Puis elle a ce puis la chauve ne voulait pas partir. Puis elle bloqua tout le trafic sur Sainte-Catherine. Tu sais qu'il y en a du trafic sur Sainte-Catherine, mais t'as pacté, tu comprends? Puis les lumières, ils changeaient rouge, bleu, vert, jaune. Toutes les couleurs, ils ont passé. Là, il y a un policeman, il dit, coudonc, madame, il dit, as-tu une couleur qu'il vous faut? Celle-là n'est pas de votre goût. Il y a un gars, la semaine passée, il dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Étudiant. Ah, oh, j'y étais purgé 6 mois à Bordeaux. 6 mois à Bordeaux? Il dit, oui, tu es rendu infirmier. Alors, messieurs, dames, si vous allez magasiner, arrêtez donc de barguiner. C'est-à-dire, choisissez beauté, qualité. Barguinez pas trop, choisissez donc boyer. Voilà, ma chanson terminée.